En plein Moyen-Âge, le roi Louis IX règne sur le royaume de France. Un règne central dans l'histoire de la monarchie française. C'est celui d'un roi guerrier, parti deux fois en croisade, un roi réputé pour son sens de la justice, et enfin un roi canonisé par l'Église catholique. Marqué par une forte foi catholique, le monarque capétien profite aujourd'hui d'une légende dorée, qui ferait de lui le parfait souverain chrétien. Alors que ce n'était qu'un homme, pris dans une société en pleine mutation spirituelle et politique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie et à la personnalité de Louis IX, et découvrir comment est-ce qu'il est devenu Saint-Louis. Mais avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN est un service qui vous permet de chiffrer vos données et de rester anonyme sur Internet. Ça sert notamment lorsque vous avez l'habitude de vous connecter sur des réseaux publics, et ainsi éviter de vous faire pirater. L'abonnement à NordVPN s'accompagne gratuitement d'un accès à une protection anti-menace qui fonctionne comme un antivirus. Il bloque les logiciels malveillants, les sites web et les fichiers dangereux. C'est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Android, iOS, Mac ou Linux, et avec mon lien en description, profitez d'une grosse réduction sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN. Et si le service ne vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser pendant les 30 premiers jours de votre abonnement. Né en 1214, le prince Louis a 12 ans lorsque son père, Louis VIII, meurt de dysenterie en 1226. Trop jeune pour régner, il est alors placé sous la tutelle de sa mère, Blanche de Castille, qui assure la régence. La situation est alors tendue. Le sud du royaume est instable, entre les insurrections cathares et les prétentions anglaises sur l'Aquitaine, de plus, peu de seigneurs acceptent d'être dirigés par un enfant, et encore moins par une femme. Le jeune roi et sa mère doivent donc faire face à diverses révoltes. Celle du Midi sera matée en 1229, après 3 ans de guerre. En 1234, la Bretagne est remise dans le rang, et en 1242, les Anglais sont vaincus. A chaque fois, le domaine royal s'agrandit avec des territoires confisqués aux vaincus, ce qui renforce la puissance de la monarchie. En 1243, à 29 ans, Louis IX épouse Marguerite, la fille du puissant comte de Provence. Ensemble, ils auront 11 enfants. Le jeune Louis doit devenir un souverain incontesté, et pour y parvenir, il a été éduqué pour. Sous l'influence de sa mère et de ses professeurs, majoritairement des moines franciscains et bénédictins, le futur roi est encouragé, pour ne pas dire formaté, pour que son comportement se rapproche le plus possible d'un roi chrétien idéal. C'est probablement cette envie d'exemplarité chrétienne qui va lui faire adopter des comportements qui nous semblent aujourd'hui très extrêmes. Des séances de pénitence régulières avec de l'autoflagellation, le port du cilice à même la peau pendant le carême, ou des jeûnes de plusieurs jours plus longs que ceux exigés par l'Église. Il veut, en quelque sorte, partager la douleur du Christ, une approche très charnelle de la religion qui s'impose dans les esprits en ce milieu du XIIIe siècle. Extrêmement pieux, Louis IX reverse tous les ans entre 8 et 15% du trésor royal aux ordres religieux, pour l'assistance aux pauvres et aux malades. Il a aussi pleinement conscience de son statut sacré, puisqu'il a été oint avec la Sainte Ampoule lors de son couronnement à Reims, une fiole qui contiendrait une huile sacrée utilisée lors du baptême de Clovis. Avec ça, il officialise la tradition des rois thaumaturges, c'est-à-dire ceux qu'on pense capables de guérir en touchant les malades. La ferveur religieuse de Saint-Louis se manifeste aussi sous des formes qu'on pourrait qualifier d'obsessionnelles. Il consacre énormément de temps à la prière et aux célébrations religieuses. Le roi affiche également une passion pour les pèlerinages et les reliques. A partir de 1239, il dépense une fortune pour acquérir un morceau de la vraie croix, la couronne d'épines du Christ et d'autres reliques de la Passion. Et pour les accueillir dignement, il fait bâtir la Sainte-Chapelle en plein cœur de Paris. Mais cette éducation religieuse a aussi des défauts, comme nous le rappelle Joinville, le biographe de Saint-Louis. Tout d'abord, il a un attachement et une confiance démesurée envers sa mère, qui éclipse parfois tous les autres conseillers et membres de la famille royale, et à l'inverse, il néglige son épouse et ses enfants. Même s'il essayera de corriger ça en rédigeant de sa main un recueil d'enseignements pour son fils et sa fille aînée, afin de leur transmettre de nombreux conseils de vie. Mais cette piété a un revers, l'antisémitisme, puisqu'il traite très sévèrement les juifs de France. Ces derniers pratiquent le prêt financier à intérêt, qu'on appelle l'usure. Ce qui est très mal vu selon les standards religieux de l'époque, et donc un roi très chrétien ne peut pas le tolérer. En conséquence, l'usure est interdite dès 1230, les biens des juifs sont partiellement saisis en 1248, et enfin, tous les Talmuds de Paris sont brûlés en 1254. L'expulsion des juifs du royaume est même promulguée, mais n'est finalement pas appliquée.
Autre mesure anti-juive, ils sont forcés dès 1269, en application d'une recommandation du pape Innocent III lors du 4e concile de Latran de 1215, de porter la rouelle, une marque distinctive cousue sur le torse sous peine d'une amende. Mais par-dessus tout, la dévotion de Louis IX va se traduire par une croisade. En 1244, le roi tombe gravement malade. Priant les cieux, il promet, s'il est sauvé, de reprendre Jérusalem aux musulmans. Ceux-ci sont en effet accusés, depuis le pillage des lieux saints 3 ans plus tôt, de ne plus respecter les accords passés avec les chrétiens. Le sultan d'Égypte, Al-Ayyoub en particulier, vient d'écraser les armées franques à la Forbie, reprenant le contrôle de la Palestine et de la Syrie en intégralité. Les états latins d'Orient sont alors réduits à quelques villes mal fortifiées sur la côte, et sans aide, ils n'ont aucune chance de survivre. Avant son départ, le roi ordonne aux dominicains et aux franciscains de purifier la France. Il s'agit de paraître le plus vertueux possible aux yeux de Dieu, afin de maximiser les chances de réussite de la croisade. Les moines mendiants mènent des enquêtes à travers tout le royaume. Le but, débusquer les serviteurs corrompus et les remplacer par des gens plus fiables et plus rigoureux dans leur foi, et aussi réparer certaines injustices. En se montrant dévot et juste, Louis IX espère alors que Dieu sera de son côté lors de sa croisade. En 1248, Louis IX est rétabli et honore sa promesse. Il lève les voiles vers la Terre Sainte depuis le port d'Aigues-Mortes. Ainsi débute la 7ème croisade, et elle démarre plutôt bien. Louis IX gagne l'Orient sans encombre et impose facilement son autorité. Arrivé à Chypre, l'armée royale tombe sur des alliés divisés qui s'affrontent entre eux. Les Génois, les Vénitiens et les Pisans sont forcés au calme par le roi de France. Le roi essaye aussi d'établir une alliance avec les Mongols, mais sans succès. Afin de déstabiliser le monde musulman, les Français veulent débarquer en Égypte. Le sultan du Caire, qui règne aussi sur Jérusalem et Damas, est considéré comme l'adversaire prioritaire des chrétiens. De plus, la vallée du Nil est riche, et cet argent pourrait être détourné pour relever les défenses des états latins d'Orient. Le 5 juin 1249, ce sont plus de 25 000 hommes qui débarquent dans le delta du Nil et prennent la ville de Damiet. Mais rapidement, l'armée royale est touchée par le scorbut. Ils attendent des renforts pendant 6 mois, en vain. Louis IX tente alors une sortie. En ignorant ses conseillers qui lui recommandent de marcher sur Alexandrie à l'ouest pour déstabiliser le commerce égyptien, le roi préfère lancer une offensive vers le Caire au sud. Cette manœuvre tourne au désastre. Ses forces sont saignées à blanc à la bataille de Mansoura le 8 février 1250. L'armée retourne s'enfermer pendant 2 mois dans son campement, mais rapidement une nouvelle épidémie fait rage. Acculés, les Français capitulent le 6 avril 1250. Le roi de France est pris en otage par les musulmans. Et il n'est libéré que contre une rançon exorbitante de 200 000 livres d'or. C'est quasiment le revenu annuel du royaume. Miné par l'échec et par la honte, Louis IX se réfugie dans les restes des états latins d'Orient. Il y demeure 4 ans, abritant les conflits, multipliant les pèlerinages et les cérémonies religieuses afin d'expurger ses fautes. Il dépense des fortunes pour racheter les soldats chrétiens capturés par les musulmans. Et méfiant envers les nouveaux sultans d'Égypte, les Mamelouks, il ajoute 100 000 livres de dépenses supplémentaires pour consolider les forteresses de la région. En 1254, Louis IX finit par rentrer en France, 6 ans après avoir quitté son royaume. À son retour de la Terre Sainte, ce roi humilié, vaincu et prisonnier des infidèles est surpris d'être reçu triomphalement par ses sujets. Pour les fidèles d'Europe, son enfermement et les souffrances qu'il a endurées font de lui un véritable serviteur du Christ. Et en plus, malgré son absence, le gouvernement a continué à gérer le royaume. Sa mère a même maté une révolte. Le règne de Louis IX marque ainsi une évolution politique majeure. Grâce à son administration développée, le royaume de France est désormais capable de rester stable même en l'absence prolongée du souverain. Fort de son expérience en Terre Sainte, Louis IX est influencé par des pensées nouvelles. Il se lance alors dans une tâche titanesque pour moderniser la France, mais aussi et surtout pour la purifier spirituellement, en pénitence de sa croisade ratée. Une nouvelle monnaie d'or est introduite, et le roi lutte également contre la corruption, la prostitution et l'usure. Progressivement, Louis IX impose une loi certes juste, mais accoudée à une morale religieuse extrêmement stricte. En 1254, les jeux de hasard sont interdits car considérés comme une forme de perversion de l'âme. Les vêtements trop somptueux et l'ivresse sont également condamnés. Louis IX souhaite incarner la justice et s'assurer qu'elle est correctement rendue à chacun de ses sujets. Et lorsque certains seigneurs abusent de leur pouvoir judiciaire, eh bien le roi n'hésite pas à les rappeler à l'ordre.
Le roi fait interdire les duels judiciaires pour empêcher les vengeances personnelles, même s'ils vont continuer à exister pendant plusieurs siècles. Et enfin, la justice royale devient une justice d'appel. N'importe qui peut la saisir pour faire casser un jugement rendu par un autre tribunal et demander un nouveau procès. Ce principe est aujourd'hui la base de notre justice, avec les tribunaux ordinaires, les cours d'appel, puis les cours de cassation. Avec tout ça, la réputation de Louis IX est tellement rayonnante qu'on le surnomme le faiseur de paix. Mais malgré le prestige de Louis IX, eh bien, personne n'a oublié la débâcle de la 7ème croisade. Dans les esprits, l'âge des croisades s'éteint inexorablement. Au Moyen-Orient, le sultan mamelouk Baïbar l'a bien compris, et entreprend de se débarrasser des dernières enclaves croisées. Les barons latins essayent bien d'appeler l'Occident à l'aide, mais les affrontements entre le pape et le Saint-Empire désorganisent toute tentative d'assistance. Dans tout ça, le seul qui a bien envie de repartir en croisade, c'est Louis IX, qui essaye de motiver son entourage et ses vassaux à repartir en Orient. Malgré une aide financière qu'il envoie tous les ans aux États latins d'Orient pour maintenir leur défense, eh bien ça ne suffit pas. Puisque n'oublions pas, Louis reste hanté par son premier échec, dont il s'attribue l'entière responsabilité. Le 24 mars 1267, il reprend la croisade à 53 ans, mais de nombreux vassaux refusent de le suivre. Louis IX peut cependant compter sur l'aide de son fils Philippe, mais aussi du roi d'Aragon Jacques Ier, qui a déjà acquis une certaine gloire lors de la Reconquista, et enfin sur le prince Édouard d'Angleterre. Contrairement à la 7ème, la 8ème croisade n'est donc pas 100% française, et renoue avec l'idée d'une coalition entre monarques chrétiens pour la gloire du Christ. Pour financer cette nouvelle expédition, il va à nouveau lever des impôts exceptionnels. Les forces rassemblées sont toutefois plus réduites qu'à la croisade précédente. Malgré des efforts importants, le roi de France ne rassemble que 10 000 soldats. Mais en 1270, au moment du départ, la destination surprend. Il s'agit de Tunis, en Afrique du Nord. On ignore exactement pourquoi Louis IX fait ce choix. Très éloigné de l'Égypte et de la Terre Sainte, il est possible qu'il ait souhaité aider son frère Charles d'Anjou, récemment devenu roi de Sicile, en pacifiant le sud de la Méditerranée. Idéalement placé sur les voies commerciales maritimes, Tunis aurait également constitué une base intéressante pour poursuivre des opérations plus ambitieuses vers l'Est. Quoi qu'il en soit, l'armée croisée débarque près de Tunis le 18 juillet 1270. Elle s'installe dans les ruines de l'illustre cité de Carthage en attendant les renforts de Sicile, tandis que les Tunisiens se retranchent dans leur ville. Mais encore une fois, Louis IX va devoir faire face à une nouvelle épidémie. La peste se propage rapidement dans le campement. Le roi de France finit par être touché à son tour par la peste, et meurt le 25 août, sans avoir conquis le moindre centimètre carré de terre musulmane. C'est son frère, le roi de Sicile Charles d'Anjou, qui négocie avec l'émir de Tunis. Celui-ci paie les croisés pour qu'ils rentrent chez eux. Le 17 novembre, l'armée royale lève le camp. À la tête des troupes, le futur Philippe III essuie plusieurs tempêtes et naufrages. Son retour en France, accompagné de la dépouille de son père, ne sera rien d'autre qu'un pénible calvaire. Mais Louis IX n'est pas mort. Enfin bon, si, là, il est mort, mais il va bénéficier d'une seconde vie, puisque commence le roman de son existence, qui va faire de lui un saint. Durant toute sa vie, Louis IX était accompagné de secrétaires, qui l'aidaient à gérer son royaume, ses armées et sa correspondance. Mais certains avaient aussi une mission plus précise. Appelés hagiographes, ils étaient chargés de rédiger la vie du roi au jour le jour, et de souligner la grandeur de ses actions en conformité avec le dogme catholique. Parmi eux, le plus connu étant sans doute Jean de Joinville, qu'on a déjà croisé plus tôt. C'est un laïc et pas un religieux, qui écrit en français et pas en latin. Accompagnant Louis IX jusqu'en Terre Sainte, son histoire de Saint-Louis se rapproche d'un carnet de voyage, d'une biographie et d'un éloge, mais dans un style plus authentique que celui des religieux. Par exemple, Joinville n'hésite pas à souligner les instants de faiblesse de son roi, ce qui l'humanise beaucoup. Mais ce genre de témoignage permet aussi de montrer la foi de Louis IX, notamment dans des moments où il se force à prendre des décisions conformes aux règles chrétiennes, alors qu'il n'en a pas forcément envie. En parallèle, deux institutions religieuses ont joué de tout leur poids pour aider à la canonisation du roi de France. D'abord, les ordres mendiants. Pendant des années, ils ont fait la promotion de sa dévotion et de son comportement irréprochable, arguant qu'ils avaient été les témoins les mieux placés pour en attester. Ensuite, il y a l'abbaye royale de Saint-Denis, gardienne de la mémoire dynastique en tant que nécropole des souverains, et qui a insisté de son côté sur le fait qu'il a transmis aux futurs capétiens sa fidélité envers l'Église catholique. Ils font ce qu'on appelle aujourd'hui du lobbying, seulement ils le font à la sauce médiévale.
Car rappelons qu'au XIIIe siècle, on ne cherche plus des saints capables d'accomplir des miracles impressionnants, mais plutôt des personnes exemplaires capables de servir de modèle aux masses de fidèles. Une importance capitale est donc donnée aux vertus morales et à la lutte contre les tentations quotidiennes. Et ça, c'est carrément le profil de Louis IX. Par exemple, le dominicain Geoffroy de Beaulieu, qui était le confesseur du roi, rédige des témoignages dans lesquels il admet que Louis IX avait parfois mauvais caractère, voire qu'il avait le sang chaud. Mais de son point de vue, le roi de France n'en était que plus méritant, puisqu'il finissait toujours par respecter les commandements chrétiens. Beaulieu explique alors comment Louis IX se forçait à manger léger alors qu'il adorait se goinfrer de poisson, ou bien comment il se forçait à ne pas rire le vendredi afin de mener, au moins un jour par semaine, une journée austère. Alors qu'apparemment, c'était un sacré déconneur. Devant tant de témoignages, le pape Boniface VIII finit donc par céder aux demandes les plus insistantes et fait canoniser Louis IX en 1297. On peut alors enfin parler de Saint Louis. Après cette canonisation, d'autres hagiographes royaux et religieux vont continuer à romancer son existence, afin de perpétuer l'image de pureté et d'exemplarité du nouveau saint. Un modèle à suivre non seulement pour les futurs rois de France, mais plus largement pour tous les souverains et même pour tous les chrétiens. Voilà ce qui explique en grande partie l'aura de Saint Louis qui est parvenue jusqu'à nous. Le règne de Louis IX est donc celui du rapprochement entre l'Église et l'État. Roi très pieux, voire même un peu trop, puisque certains de ses contemporains le jugent un peu trop excessif, il va développer les institutions religieuses et l'aide pour les pauvres. Le tout en renforçant la justice royale et par extension sa propre autorité. Façonné par les conceptions de son époque en matière de croyance, Louis IX symbolise le roi chrétien exemplaire, un monarque dévoué autant à sa religion qu'à son peuple, prêt à combattre, à prier et à rendre justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que cette vidéo était sponsorisée par NordVPN. Pour en apprendre plus, rendez-vous en description et avec mon lien, profitez d'une grosse réduction sur l'abonnement de 2 ans. Merci également à Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire pour la préparation du script, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Pensez à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et Instagram, et à la prochaine.